Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 18 mai 2023, 10h22, heure du Québec, heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le. Maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, d'ailleurs c'est ce que je vais vous partager, deux liens très importants et fascinants, envoyés par un abonné que je salue. Mais avant ça, on va essayer de décortiquer la question de l'urgence climatique, du changement climatique. C'est pas facile parce qu'il y a tellement de brouhaha, il y a tellement de bruit, il y a tellement de politique là-dedans, c'est hallucinant. Tu peux pas te fier aux réseaux de télévision, tu peux pas te fier aux politiciens, ni de droite, ni de gauche, tu peux te fier à personne là-dessus. Tu peux pas te fier aux scientifiques parce que tu en as qui sont subventionnés par le gouvernement, donc ils sont obligés de raconter les mêmes histoires que le gouvernement veut qu'ils racontent, puis tu as les autres qui sont subventionnés par des pétrolières, d'autres qui sont subventionnés par d'autres secteurs. Donc, les scientifiques sont subventionnés, sinon, c'est qui les ferait vivre, tu comprends? C'est parce qu'on n'en a pas vraiment besoin dans la vie. On peut fonctionner sans scientifiques, tu comprends? Tu n'as pas besoin d'un scientifique pour aller travailler, payer tes comptes, changer la couche de tes enfants. La science, c'est un peu comme la religion, c'est un accessoire. C'est un outil qui appartient à la classe oligarchique qui nous gouverne. OK? Maintenant, la science est là, puis bon, on lui accorde une importance, puis on l'utilise pour contrôler la population aussi. Si jamais tu veux t'opposer à quelque chose, on arrive, parce que toi, tu es contre la science, tu es un anti-science. C'est comme de questionner le christianisme, ça ne fait pas de toi un athée, c'est juste que tu critiques une organisation humaine qui prétend représenter la divinité. Par exemple, je te donne ça comme exemple. Ben, la science, c'est pareil. Sur quelle science on va se baser? Qui ou quelle est la bonne scientifique qui va te raconter quelque chose sans partisanerie, sans préjugés? Parce qu'en plus, quand tu fais, tous les humains ont toutes leurs croyances, ont tous leurs préjugés, ont toutes leurs... Toute ta recherche peut être influencée par plein d'autres facteurs que juste la science. Donc, c'est pas facile. Il n'y a rien de blanc, il n'y a rien de noir. Tout est gris. Et tout est politisé. C'est ça le problème. Donc, quand tu... C'est comme l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire officielle? C'est qu'est-ce que ces gens-là ont voulu retenir? Et te partager, mais l'histoire, c'est pas mal plus vaste que ce que tu as dans tes livres. Souvent, même dans certains pays, les nôtres inclus, on a beaucoup de propagande dans l'histoire. Beaucoup de manipulations, beaucoup de choses qui sont effacées, d'autres qui sont ajoutées. C'est pas vraiment fiable. Tu te rends compte, plus tu conscientises, plus tu te conscientises, qu'il n'y a pas grand-chose dans lesquelles tu peux avoir confiance à 100%. Hein? C'est comme un industriel, un commerçant, il est là pour faire de l'argent. Lui, il va te raconter n'importe quoi pour que tu achètes son produit ou son service. Même chose pour un groupe religieux, même chose pour un groupe scientifique, même chose pour un groupe politique. Tu t'en sors pas. C'est ça. Maintenant, il y a la... faut que tu essaies de comprendre aussi. Il faut que tu comprennes que la planète est là depuis 2, 3, 4 milliards d'années. On ne sait pas. C'est encore là. C'est tellement aléatoire. Mais disons qu'on prend ça pour acquis. On prend une base et on se dit que c'est ça. Peu importe comment ça a été créé. On ne parle pas de ça. Là. C'est... La planète, elle en a vu des choses, comme dirait George Carlin, hein, dans un... Elle a vu des renversements de pôles, elle a eu des tsunamis, des tremblements de terre, des comètes, des météorites, des explosions de toutes sortes, des volcans en éruption, des changements de pôles, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Une ère glaciaire, un réchauffement, une ère glaciaire, un réchauffement, une acidification, un retour à la vie. Puis, 4 milliards d'années après, c'est encore la même
choses qui se produisent, les mêmes systèmes cycliques qui se produisent. Puis on est encore là. Puis il y a encore une diversité. Il y a encore une multitude d'espèces vivantes. Il y a encore des tremblements de terre, il y a encore des éruptions volcaniques, il y a encore des tsunamis, il y a encore des tremblements de terre, des météorites, des comètes, des renversements de pôles qui s'en viennent probablement. Des refroidissements, des réchauffements, on ne sait plus sur quel pied danser parce que c'est comme ça. Puis comme il y a un agenda politique, c'est devenu un sujet traité à tous les jours parce que on l'utilise pour vendre quelque chose, un programme politique, un agenda politique, économique en même temps. Mais tu ne changeras pas le fait que c'est toujours comme ça. Et ça ne changera pas. Pendant ce temps-là, on surveille un phénomène, parce que tu as des phénomènes naturels aussi, El Niño, qui est le contraire de El Niña. La Niña, c'est le froid, hein, un courant froid. On a eu la Niña apparemment qui se termine. Là, on est dans une période neutre, puis on devrait s'enligner pour El Niño autour de peut-être même commencer. On est peut-être dedans, on a commencé peut-être. Tout ça nous rapporte l'Organisation météorologique mondiale. Est-ce que c'est fiable? Sûrement pas dans l'ensemble. Ils ont un agenda politique, eux autres aussi. Mais les données qu'on te donne, puis quand on te parle de ça, ça, tu peux, c'est, tu peux pas aller contre ce qu'on te raconte-là. On te parle du phénomène naturel de El Niño. La probabilité qu'El Niño se développe plus tard cette année augmente, selon une nouvelle mise à jour de l'Organisation mondiale météorologique. Cela aurait des effets opposés sur les modèles météorologiques et climatiques dans de nombreuses régions du monde, naturellement un modèle opposé à ceux de la Niña de longue durée et alimenterait probablement des températures mondiales plus élevées. La Niña inhabituellement tenace a maintenant pris fin après 3 ans et le Pacifique tropical est actuellement dans un état neutre. Enzo, c'est ni El Niño et c'est ni la Niña. Il y a 60% de chances de passer d'Enzo, le neutre, à El Niño en mai-juillet 2023, donc cette année. Et cela passera à environ 70% en juin-août et 80% entre juillet et septembre, selon la mise à jour qui est basée sur les contributions des centres mondiaux de production de prévisions à long terme et sur l'évaluation des experts. Donc, il y aura des températures plus chaudes dans les mois et les années à venir. Jusqu'à quel point, on ne sait pas, on se prépare au pire, tu auras de la sécheresse, d'autres parties seront plus froides aussi et plus pluvieuses. Donc ça, c'est un phénomène naturel qui vient aussi influencer le climat. Pendant ce temps-là, il y a beaucoup de tempêtes, beaucoup, et ça, c'est à longueur de journée. Pour ceux comme moi, hein, d'entre vous, qui suivez le phénomène climatique parce qu'on s'intéresse, parce que c'est important, c'est ça qui gère nos vies un peu, c'est ça qui gère la productivité agricole, c'est ça qui gère les mouvements de population aussi. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités à longueur de journée. Puis si vous suivez comme moi ça, avec par exemple un site comme The Watchers, vous allez voir que à tous les jours, il y a des tempêtes, partout, à tous les jours, il y a des désastres. Partout, à tous les jours, il y a un volcan en éruption. Quelque part, il y a un tremblement de terre, quelque part. Il y a des, comme en Algérie, des météorites. Il y en a sans cesse. Et juste pour te donner une idée, ça, c'est ce qui se passe dans les 2, 3, 4 derniers jours. Aujourd'hui, 18 mai, explosion au volcan Popocatépetl. Et ça, c'est au centre du Mexique, de la ville la plus densément peuplée, Mexico. Et ça pourrait être catastrophique. Les cendres lourdes suspendent les cours. Dans 11 municipalités, quand même, on est obligé de suspendre les cours à l'école. Plus de 450 morts au Myanmar après l'arrivée du cyclone tropical Mokhan. Un super bolide illumine le ciel nocturne au-dessus de l'Algérie. Puis on a un potentiel même d'avoir eu une chute de météorites qui pourrait être fatale. Il y en a de plus en plus. Un fort séisme de
18 mai, encore aujourd'hui, 6.4, frappe le Guatemala à une profondeur quand même intermédiaire. Chaos météo en Italie, 8 morts, plusieurs disparus, des milliers évacués en Émilie-Romagne, 17 mai donc, hier. Les embâcles provoquent des inondations catastrophiques dans les villes riveraines de l'Alaska. Plusieurs. Alors, tremblement de terre, peu profond de 5.5, une série de répliques a frappé le lac Almanor dans le nord de la Californie. On le sait, on s'attend à quelque chose d'immense là-bas. Plusieurs tornades de grande taille et extrêmement dangereuses se sont abattues sur le Nebraska. Donc, le volcan Anak Krakatoa, 13 mai en Indonésie, émission de cendres, astéroïdes qui survolent la Terre. Maison en Allemagne qui a été frappée par une météorite, je vous en avais parlé. Et des crues soudaines dans le centre de la Somalie font 22 morts et plus de 450 000 personnes sont touchées. Plus d'un mois de pluie en 5 jours inonde certaines parties de la Croatie. Les débris de l'éruption de 1980 provoquent l'effondrement d'un pont au mont Saint-Hélène. Imaginez des années après. Et on continue. De mystérieuses taches d'aurore confirmées comme des aurores à protons. Une forte éruption solaire de M9.6 éclate du limbe sud-est du Soleil 16 mai, donc le Soleil étant aussi ce qui gère la température sur la Terre, peut nous envoyer des rafales de protons neutrons qui pourraient être catastrophiques pour le réseau électrique, nous envoyer une tempête géomagnétique qui nous ramènerait à l'âge de pierre. Et ça, c'est une question de temps avant que ça se produise. L'autre lien, intense réchauffement terrestre de 10 degrés. En l'espace de quelques années, les températures ont grimpé de 10 degrés dans l'hémisphère nord. Pas il y a 5 ans, pas il y a 10 ans, mais il y a 15 000 ans. Ça, c'est l'autre lien qui m'est envoyé par, je pense que c'est Sylvain que je remercie, sur Facebook, lui. En l'espace de quelques années, nous rapporte le Figaro, et ça, c'est pas conspirationniste, hein, dans sa section science, du 23 juin 2008. Tu vois, il a fait des recherches, ce gars-là, Sylvain, que je remercie. C'est un article qui est apparu en 2008. En l'espace de quelques années, les températures ont grimpé de 10 degrés dans l'hémisphère nord, à la fin de la dernière glaciation. Un changement climatique très brutal, probablement lié à des modifications de la circulation atmosphérique, s'est produit à deux reprises il y a environ 15 000 ans dans l'hémisphère nord, avec des hausses de 10 degrés en quelques années, selon une étude publiée dans la revue Science. Le climat a d'abord basculé il y a 14 700 ans avec une augmentation des températures de plus de 10 degrés Celsius en seulement 3 ans. Puis après un nouveau coup de froid, une hausse équivalente s'est produite en 60 ans, il y a 11 700 ans, à la fin de la dernière période glaciaire. Il y a eu une autre hausse de 10 degrés. Des analyses de carottes de glace du Groenland ont montré que ces renversements climatiques se sont produits aussi abruptement que si quelqu'un avait tourné ou appuyé sur un bouton. Souligne Dahl Jensen de l'Université de Copenhague, co-auteur de l'étude avec des chercheurs japonais et français du CA et du CNRS. La dernière période glaciaire s'est donc achevée de manière très brutale, avec deux épisodes de réchauffement intense interrompus par une brève période froide. Le tout, il convient de le souligner, en l'absence de tout dégagement de gaz à effet de serre d'origine humaine. Au cours de la première phase de réchauffement, appelée le Bowling, qui s'est étalée sur un peu moins de 2000 ans, des peuples de l'âge de pierre ont pu s'installer en Europe du Nord jusqu'en Scandinavie, avant que les températures ne redeviennent glaciales il y a 12 900 ans. L'étude a été réalisée à partir de l'analyse des poussières. Plus leur teneur est abondante et le climat est froid, et de certains isotopes de l'oxygène et de l'hydrogène retrouvés dans les carottes de glace du forage Nordgrip au Groenland. Ce dernier, d'une épaisseur de plus de 3 km, permet de remonter l'histoire du climat sur 125 000 ans. Wow! Donc, je vous laisserai ça dans la boîte de description, juste pour dire que qu'est-ce qui nous attend? Il n'y a personne vraiment qui le sait. On est dans une période de perturbation économique, perturbation climatique, perturbation politique.
perturbation des consciences, perturbation sociale. Je peux te dire une chose. Le monde est en état d'ébullition. Puis qu'est-ce qui nous attend? Je ne le sais pas, mais on le sent. Ça sent vraiment le désastre après le désastre après le désastre. Désastre économique, désastre environnemental, désastre social, désastre astral, désastre à tous les niveaux. Je ne sais pas, mais préparez-vous. Parce que ce qui s'en vient, il y a tellement de distractions, il y a tellement de n'importe quoi, il y a tellement d'agitation que de voir le monde agité comme ça, de voir l'élite nous agiter comme ça, c'est le signe de ce qui s'en vient et que ce qui s'en vient, c'est plus grand que ce qu'on aura pu jamais imaginer vivre. Wow, préparez-vous.